Allez, le jeu, on s'affiche. Bon, il fait excessivement chaud. Par conséquent, on n'est pas sur un 2 heures de Dumberlands, on va être sur un peu moins. Déjà, si j'arrive encore à tenir une heure, ce sera beau. Donc il me restait qu'à prendre le bateau. Je t'achète ton navire, maintenant c'est le mien. Hop là. Et il peut aller partout de toute façon celui-là. Bah oui. Alors. Il fait comme moi, il va strictement partout. Genre là, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis un arbre, mais pourquoi pas, hein. J'ai visité ça. Ouais. Ouais. C'est vraiment histoire de tout parcourir, hein. Ne pas laisser une seule case non visitée. Non, celle-là, je pourrais pas, je pense pas. On s'en met un petit peu compromis. Prenez-le, un poisson exotique. Ouais. Cimer. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? Ici, on a un groupe soigné et l'œil de Morgol qui m'a one-shot. Mec. On l'a refait. C'est mieux sans être mieux. C'est puant en étant puant. Ouais, c'est hard. Au moins, ça me permet de voir ce que ça fait quand on meurt. Your honorableness, Lord, many minstrels compose several ballads which turn out to be best-selling hits in all tavern in the kingdom. And because of these poor troubadours with were able to make a living, and their wives and kids were able to eat tasty food, and they were not cold in winter. Truly, your sacrifice was not in vain. Si seulement ils avaient récupéré la couronne, alors mon mari. Mouvement effectué 9300, monstre vaincu déjà 422. Quête effectuée 4 seulement. Ça laisse tellement penser qu'on en est à plus. Savoureux, non? Mes poissons exotiques sont les plus savoureux. Attends, comment il s'appelle? Ah, oh, il a pas de nom, j'aurais tellement voulu qu'il s'appelle Gaspard. Gaspard savoureux. C'est quoi ici? Le donjon de fer. D'accord. Ouais, c'est chez un copain en fait. Baron d'Algarde, baron du donjon de fer et surveillant de la mer du Sud.
Des visiteurs au donjon de fer ? Comme c'est rare. Vous devez être loin de chez vous. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à rester, nous avons un espace visiteur entièrement meublé dans l'aile droite du donjon. C'est une pièce vide, inutilisée depuis des années, pourtant elle est maintenue en parfait état comme si elle attendait quelqu'un. Tout ? Ça a l'air d'être tout. Alors on se taille. Ah, ben j'arrive au bout du monde. Donjon mortel du jugement. Salut. Ah, ça sent bien le donjon de fin de jeu ou un truc comme ça, ça. Cours d'Alazar. On va te faire utiliser un petit peu ta magie. Ah, il est hypnotisé. Comme ça, au moins, ça... Ça ôte toute forme de questionnement. Des fées, de la poudre, de la cocaïne de fées. J'ai même pas besoin de lancer de sort, je pense, pour le moment. Juste, on va les taper. Un groupe de 3, c'est peut-être un peu plus... Ah non, mais c'est... 3, ok, mais il y a 2 jeunes sorciers dans le lot, c'est pas... Ah, passionnant. Oh, des énormes cristaux. Plus 5. Et évidemment, de l'XP. Ah merde, j'ai pas vu. Je faisais pas du tout gaffe. Shame on me. Il a commencé un petit peu à douiller déjà. Non, ça va pas passer. Il y a un soin de groupe, j'ai
Ouais, j'espère qu'ils sont un peu légers. Ouais, c'est pas grave, elle va s'y mettre. Et puis comme lui c'est un elfe, il va s'y mettre. Chiotte. Faire un repos long du coup. Alors il a quoi? Hypnotisé, affaibli. J'ai rien du tout contre l'hypnose. Non. Donc ce donjon semble être terminé et certains montent de niveau et d'autres vont pas tarder. Il faudrait que je trouve un mob ou deux à tuer. Tout en sachant que toute cette partie-là de la mer, c'est fait. Donc faut que je aille dans le désert. Mais j'ai tellement pas envie. Ouais. Je suis pas allé par là. Je ne suis pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah et puis oh mince, c'est pas traduit ça. Dizzy, c'est quoi? C'est désorienté. On se retrouve face à la forêt, etc. On peut pas rentrer. Et... champ de protection, tout ça, machin. Ok, donc pas maintenant. Citadelle du Chevalier Rouge. J'avais pas tout fini dans le coin. De feu, boule de froid. Oula. Waouh, on n'était pas loin de la mort là. Veuillez cesser séant de nous empoisonner. C'est désagréable, vous êtes désagréable. Le bardier sous-payé. C'est marrant, ça aime bien.
petite touche d'humour bien senti. Ah la vache. Ouais, je le sentais venir aussi celui-là. C'est de l'acharnement. Vous vous acharnatez. C'est même le bon moment pour aller monter de niveau. Et j'oublie que j'ai un griffon, moi. Je vais aller là. C'est pas trop cher. Donc, toi, on va augmenter un peu la volonté, toi, on va augmenter la volonté, toi, on va augmenter la dextérité, toi, l'endurance, toi, la volonté, toi, la sagesse. La mairie, merci. Je commence à croire que là, dans les boutiques, le seul intérêt que j'ai, c'est vendre, parce que pour le stuff, il va falloir juste que je le trouve, et encore, même ce que je trouve, je trouve, hein, qu'à te dire, que tout se ressemble un peu. Ah bah dis donc, c'est pas la même salle que celle d'avant, hein. Je sais que je peux pas mettre quelqu'un d'autre à la place de celui-là, mais qu'est-ce qu'il est naze. Qu'est-ce qu'il est naze. Donc il faut résister aux dégâts. Allez, on va se lancer pour un combat assez long. Oh bah non. Du tout. Étage 2. Thank you.
Ah, j'ai déjà pu mes veufs. On va remettre le bouclier de l'esprit. Il y en a bien un qu'il faut mettre, là, ça va être celui-là. Inspiration. Génération. On tape. Faire à ce que le loot soit bon. Colis azur. Verdict. Résistance au froid et à la foudre. C'est du rang 2. Ça propose deux résistances différentes. Par exemple, Malcolm peut l'équiper. Il aurait son intérêt à équiper ça. Je sais pas ce que je vais rencontrer. On va faire un rapapapapolon. Un rapapapolon. Le choix, faut que je bourre. Il n'y a plus le mana. Ça ne suffira pas, ils infligent pas assez de dégâts. T'es faible, c'est faible. Non. Non, pitié de moi. Ici, je me mets à l'étage du dessous. Vous considérez que c'est bon? Allez, on inspire. Ah, il y a bouclier magique lui aussi maintenant. Tiens. Et on régénère. On va avoir du champion ici. Ouais, merde, il n'y a pas que ça d'ailleurs. Allez, on bouclier de froid. On attaque. Ah, purification d'esprit, tiens. Je viens de voir ça passer, je suppose que ça peut beaucoup m'intéresser. Retire les statues hypnotisées et confus. Très bien. Non mais il se fait défoncer. Anneau de résistance au froid, je gérerai ça après. Il s'est fait défoncer. Oh, 48! Ah non, ça va. 48, ça fait beaucoup quand même. Puis voilà quoi. Et ben voilà. Hop.
Et merde. Oh merde. Puis après, ça en a un autre. Ah, je suis bien dans la purée là, je pense. Et puis ça continue à arriver. Alors on va se faire un autre repos long. De toute façon, avec le griffon, on peut aller dans toutes les auberges que l'on veut, comme on veut. Oh puis merde. Il est en train de se faire défoncer. C'est qui a pas mis de sort? C'est qui a pas mis les buffs? C'est moi. Oh là là. Abruti, abruti. Qu'est-ce que je fous, moi? Ouh. Comment je suis? Je peux encore faire un long repos? Alors, allons-y. Toi. Alors, on va s'avancer jusqu'ici. Oui, pas beau celui-là. Inspiration, bouclier. On la refait. Donc, bouclier magique, régénération. Et toi pour inspiration. Et c'est parti, on y va. Je pensais que j'aurais les deux, tiens. Tant mieux. Ok, donc là il reste le boss. Il y a 852 points de vie, c'est le chevalier rouge. Enchanté, ravi de te connaître.
Comment veux-tu mourir? Salement ou pas? En fait, t'as pas le choix, ce sera salement. Casque, bouclier et armure rouge. Rang 1, quand même. C'est quand même du rang 1. Fabriqué pour le chevalier rouge. Mais c'est unique, ça a de la bonne armure, ça donne de l'endurance. Bon, l'encombrement est ce qu'il est. Mais je vois bien Malcolm porter ça. Dommage pour le... Mais bon, la résistance au feu, elle est pas mal. Dommage pour le casque. Mais à côté, le casque, le nain peut l'avoir. Là, on est pas mal. Je sais pas si je l'avais en quête. La lame enchantée. Enfin, la lame, une lame enchantée. Dans le coffre, c'est moins bien. Il garde un coffre qui est moins bien que lui. Pas. En tout cas, ça c'est fait. Tiens, lui il prend deux niveaux. Déflagration, cône de froid et hâte. Ah, oh, je vais avoir plus de buff, c'est bien. Alors, volonté plus 1, vas-y. Bah, il peut pas. Ah non, c'est pour un colis. Bah. Déjà, mon encombrement ne passe pas. Alors, toi, tu vas. Purification. Affaibli et apeuré. Oh, les mecs, sérieusement. Toi, t'es à 30 sur 30, 10 sur 12, tu... Ben non, ça prend rien du tout, ça. Peut-être pour la ceinture. En tout cas, tout le monde a équipé le sien. Fait la forge. Je pensais que j'avais fait un peu tout sur la map, mais pas du tout. Par contre, en termes de quête, récupérer 3 spécialités exotiques pour le cuisinier du château royal, trouver la couronne oubliée, obtenir un livre de maître Talon dans la grande bibliothèque, obtenir une lettre au grand bibliothécaire du sage du nord ou du sage du sud, récupérer le marteau de fer pour le maître forgeur de bouclier. Ça, je crois que ça, cette quête-là, je l'ai. Alors je suis là où je pourrais la faire. Oh, des piquets, ça m'avait manqué. Des gants chauds. Protection contre le froid. Allez, cadeau pour toi.
Ça, c'est fait. Armoire d'épée. Bon, ça va bien se vendre toutes ces choses. Étage suivant, je voudrais. Oh. Ne pas, je répète, ne pas libérer la salamandre. Elle est devenue trop grande et nous ne pouvons plus la contrôler. Alors ça dit quoi ça? Tous les trésors ont été déplacés dans la deuxième salle au trésor. Oh mais ça m'aurait surpris ça dis donc. Armure de forge lourde, marteau lourd, marteau de fer. Bon, moi je dis que ça se tente, hein. Ça se tentait. Allô des sages, rien. Faute de plaque de mix. J'ai regardé tout ça tranquillement, ça a l'air sympa. Salut mon ami, mon vieux marteau, combien il m'a manqué. Je vous remercie, tenez, prenez ces deux boucliers en fer que j'ai fabriqués, un plus petit, un plus grand, plus un peu d'or, vous l'avez mérité, du pognon, de l'expérience, merci, bonsoir. Certains ont monté de niveau, d'autres non. Le collier azur, froid et foudre. Ah, on va virer ce qui est feu pour avoir deux protections pour le moment. Cap des magiciens, volonté plus deux protections. Et deux. Anneau des sages. Sagesse plus 3. On va inverser. Volonté 1, volonté 3. Ok, jusque là, ok. Bah non, toi, t'en as pas besoin de volonté. Résistance au froid, résistance au froid. Bon, on va te retirer les gants, puis tu vas mettre... Ah non, elle a dit, elle a déjà un anneau. Bah toi. Toi, c'est pas dérangeant du tout non plus. Casque de héros, x2.
fous un peu. Code de plaque d'Onyx. Cadeau. Marteau lourd. C'est plus une hache, je sais. Mais quand même. La Melfique enchantée. Bâton, épée lourde. Ok. Épée courte de mithril. Ouais, mais non. Non, bouclier. Pas avoir de bouclier lui. Et lui il a le bouclier rouge. T'as-t-elle un bouclier? Non, ça fait un peu trop. Un petit bouclier elfique toi. Ok. Je vends. Armoiries d'été, les armes ainsi que les armures. Hop. Ça commence bien, j'ai envie de dire. Merde, les guêpes. Je les avais oubliés. Scorpion jaune, plus de 1000 PV. Jusqu'ici, tout va. Balade héroïque. Ouais, balade héroïque, ça serait bien. Comme ça, il aurait une chance sur deux de pas tomber.
Là, ceux qui devaient monter de niveau après un combat, deux, ils peuvent. Voilà. Donc on est là. Comme ça, les dégâts infligés avec les nouveaux sorts devraient être cool, parce que là, lui, hâte, initiative de combat, il est déjà en rang 3. Cône de froid, déjà rang 4. Déflagration, déjà le rang 4. Flèche claire de lune. Ça consomme, mais au moins on est à peu près sûr des dégâts que ça inflige. Je suis resté sur foudre pour le moment avec les cobras. Tous mes buffs sont déjà partis. Régénération, bouclier magique. Balade héroïque, inspiration, Elmana, on se le fout. On peut. J'aimerais bien de meilleurs soins. Meilleur sort de soins. J'espère que ça arrive bientôt. Il s'étend jusqu'où comme ça là. Oh, il y a un scorpion qui a une autre couleur. Ah, il a une autre couleur, aime pas ça. Heureusement qu'il tape bien là. C'est quand même pas réussi. Allez, je propose un petit dodo long. 9h11, machin, hop, on va mettre les buffs. J'espère qu'il y aura un sort pour jeter plus de buffs que ça. Par coup plutôt. Sinon c'est rudement long. Et tout s'en va.
Oh. Très joli coup. Je suis le sage du sud, peu importe ce qui vous amène à moi, vous devez être conscient que mon esprit est complètement préoccupé par les 5 fleurs mystiques rares. Jusqu'à ce que quelqu'un me les apporte, vous ne pourrez ni penser ni parler d'autre chose. Vous pouvez les trouver à divers endroits. Oh oh. Je vais affronter cela. J'aime bien l'idée du haut, tu peux trouver ça n'importe où en fait. Et surtout, démerde-toi. C'est pas n'importe où dans le désert, c'est n'importe où, partout. Tu vas en trouver effectivement partout. Ouais. Toi, ça va être la volonté, un peu plus de points de sort. Toi, ça va être la sagesse pour que le bonus d'arcane soit un peu meilleur. Toi, ça va être dextérité toujours, la dextérité pour toi aussi, l'endurance pour toi, la sagesse, la volonté. Merci, bon point. C'est-à-dire qu'il va falloir que je remarche sur certains endroits. Ou alors j'en ai pas encore trouvé. Sinon, il me les aurait fait prendre direct. J'aurais tellement espéré que ce soit ça. J'ai toujours mes buffs alors que j'ai dormi. Bien fort que je me frotte un scorpion rouge qui a pas tellement plus de vie mais qui m'a l'air plus agressif. Plus agressif. Faut que je l'affronte avant que les buffs ne s'en aillent. C'est sûr. Et là, je viens de me gourer.
prends tout ce qui est en rouge là-bas. De toute façon, quand même, vu les points de mana qu'il peut rester. Régénération, bouclier magique, hâte, inspiration, balade héroïque, et c'est parti mon kéké. Hop, c'est revenu. Il semblerait que ce soit revenu. J'ai l'impression que c'est toujours au bout d'environ 3 heures de live. Ce qui veut donc dire que dès que j'aurai moi aussi repris le chemin de l'école, 3 heures de live, ça n'aura lieu qu'en journée si j'en fais, mais le soir, ça n'arrivera jamais. Donc, et souvent vers minuit 45, une heure, bah ouais, c'est... Puis c'est pas un redémarrage de la box parce que je l'ai désactivé, et puis ça ferait un redémarrage de la box, même si c'est une box 4G, assez court. Bon, ce serait plaisant d'avoir des redémarrages si courts, c'est sûr. Mais pour moi, c'est pas ça. Reste vivant, mon ami. J'ai dit tu restes vivant. Nous allons nous reposer dans un coin. Régénération. Hâte, bouclier magique. Balade héroïque, inspiration. Et on y retourne. Que je me remette sur ces trucs là. Je viens de me planter de sort plusieurs fois d'affilée. C'est sympa cet acharnement. Voilà, et toi tu te remets sur le cône de froid. Je vais te mettre soin que je lui lance sur lui-même, mais oh ce manque de talent évident. J'aurais pas dû toucher à la montagne. Et pour le coup, il n'est pas une montagne. Ça s'étend jusqu'où, le désert ? Vous ne me faites plus peur, les cobras. Vous êtes devenus de la facilité. On est en D5. Oh là là, je vais essayer d'aller vers l'est, on va voir. Non, mais ça va, quoi. Arrêtez de le... Oh, et des cobras plus forts. Alors vous êtes quoi, des vipères ?
Ça va être jouable. Sans je vois pas où aller pour le moment. Mais s'ils peuvent monter de niveau, on leur donne du niveau. Comme ils peuvent monter de niveau. J'ai toujours cette ville-là parce que je sais plus c'est quel château qui permet de le faire. Alors, on s'entraîne. Ah, je savais bien que j'oubliais quelqu'un. Repos. Un long repos. On remplit. Et on y retourne. C'est bien, c'est que... Continue d'accumuler de l'or pendant ce temps-là. Alors, je vais tout de suite me remettre sur cône de froid, sur soin et sur soin. Je pourrais même me mettre sur anti-poison. Ah merde, il est paralysé aussi. Oh bon. Je voyais pas trop comment il allait survivre. Ah, j'appuie sur 4. Oh, le boulet. Ah bah oui, forcément, il va mourir et remourir derrière. Et moi aussi. Alors, deux vipères, oui. Mais quand il y en a une deuxième qui revient, enfin une troisième qui veut rien prendre la place de la deuxième, la réponse est non. J'avais pas sauvegardé apparemment. Bon. Si je me mets ici. Justement ici c'est bien. Aimants à poison, mais ce sont des aimants à poison, ces deux-là. Ok. Bien. Tout se passe. C'était tellement sûr qu'il allait mourir.
Ah merde, j'étais con. Ah, je peux faire un court repos. Et un autre court repos. Quoi, il reste plus que ça en vipère. Bon. Ouais, mais... Oh, pardon monsieur, j'ai pas vu. Bon bah, il faut faire un donjon, mais ils sont décédés. Vous avez déjà voulu devenir capitaine et avoir votre propre bateau pour nager en haute mer, comme un mignon gâteau. Je veux dire, comme un lion de mer. Oui, lion de mer. Si oui, vous êtes vraiment très 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 chanceux, parce que j'ai un navire de rechange presque neuf, il n'a pas encore coulé. Et pour 600, je vais le prendre. Et ici, on a le château des sables. Ah, la petite sauvegarde qui me fait dire qu'il peut y avoir du combat, voilà. Par là, nous avons un coffre avec l'anneau des érudits. Plus 1 en sagesse. Et oui, il gagne 5%, il me semble, d'XP de plus. C'est donc logique. Bienvenue au Château des Sables. Nous sommes une ville fortifiée protégeant les zones voisines des dangers venant du Grand Désert. Ici, vous trouverez tous les hébergements nécessaires pour les voyageurs. Nous avons des tavernes, des boutiques, il vous suffit de demander. Vous avez des lézards aussi. Des grands lézards. Oh, je vais vendre quand même. Je vais vendre ici. Alors, hop, autant pour moi. Non, hop, ça dégage. Non. Juste que je vois l'armure de cuir d'Otar. Les armures de cuir, ils peuvent pas, eux. Lui, je vais lui laisser sa maille. Armure de soie, cotte de mithril. Non. C'est quoi ici? Donjon des sables. Serpent gris, roi des serpents gros. Gros ou gris? Les deux. Peut-être. On va faire un truc. Voilà. Ils sont en première ligne ceux-là, mais à chaque fois ils se font empoisonner, c'est un peu chiant.
gros serpent gris. Alors oui, donc j'en étais à armoire du printemps, broche elfique, broche elfique, ah, plus de broche elfique. Oh, c'est cool. Voilà. Il y a quand même peu de chances que ceux qui sont pas en première ligne prennent du dégât, donc. Enfin, du dégât, prennent du poison. Épée courte de précision. Alors, régénération, bouclier magique, hâte, inspiration, balade héroïque. Bonjour. Chemin des araignées. Chemin des serpents. Pas un chemin des araignées serpents, petit mix. Bon, la cape des magiciens, volonté 2, protection 2. Ah ben, on l'a déjà. Cadeau. J'ai pas encore rencontré d'araignée dans le jeu. Je dis n'importe quoi.
bataille pour la bataille et le combat. Merci beaucoup Jean-Kevin à mettre 65 Médéter pour le follow, c'est très sympathique. N'hésite pas à interagir, à parler, tout ça. Bon, je pense qu'il va y avoir une reine araignée à un moment. Araignée de jade. Pourquoi pas? Je dirais même qu'elle va arriver beaucoup plus tôt que prévu. Ah bah non, c'est bon. Tout est clean dans ce donjon. Qui du coup était parfaitement optionnel. Bon bah ça c'est fait. Laissez-moi regarder la carte du désert parce que j'ai l'impression, à part le sage, enfoiré. À part le sage, je crois que j'explorais tout le désert. Je me souviens pourquoi est-ce que cet endroit est comme ça. Oh, mais ça devient faisable, les guêpes. Les filles, je reviens. Je vais dormir dans le désert parce que c'est recommandé, hein. Bien connu. Ah, passé le minuit 3, mes mecs sont moins forts. Il n'y a plus une guêpe. J'ai été mineur toute ma vie, je vous le dis, il y a quelque chose de mystérieux dans ces mines. Je suis tombé sur une étrange chose rougeâtre brillante comme une sorte de cristal. J'ai essayé de le creuser, mais chaque pioche que j'utilisais s'est cassée. J'ai passé des mois à essayer de le creuser sans succès. Ça m'a rendu fou. Donc j'ai un accord pour vous. Apportez-moi une pioche en adamantite fabriquée par l'un des célèbres forgerons nains. Avec ça, je devrais pouvoir récupérer le cristal. Je vous le donnerai en récompense, je suis sûr qu'il est super et précieux. Tout ce que je veux, c'est la chance de découvrir que c'est ce que c'est et une maigre somme de 5000 pièces d'or en compensation. D'accord. Mais encore. La mine abandonnée, étage 0. La mine a été abandonnée en raison de l'épuisement des minéraux et du risque d'effondrement. Puis gauche. Puis gauche qui se trouve côté gauche. Non, j'aime bien, c'est précis. C'est vachement précis, j'aime beaucoup. Ils ont pas arrêté de s'occuper de la mine en raison des trolls aussi, accessoirement. Et dire que j'avais dit que ça ferait certainement une petite heure, j'en suis déjà à 1h25 pour Underland. Je clean cette grotte là et l'autre. Et c'est tout. Enfin, je pense. Ou peut-être pas, peut-être avant même. Déjà, ça...
Quand il y a une porte, l'ermite désolé. L'ermite fatigué de sa propre renommée. Non, pas encore, c'est censé être une mine abandonnée, sans que tous ces gens viennent me harceler. Comment m'avez-vous trouvé? Tant pis, prenez ces précieuses fioles bleues et rouges et ne dites à personne que je vis ici, d'accord? Fioles bleues et rouges, pour des stats en plus, j'imagine. Hop, et de une. Les cavernes oubliées, étage 0. Ah bah on va pouvoir faire forger la pioche en question avec la voix qui part en live. Appuyer sur les touches maintenant. Tu as déjà assez de minerais, j'en sais rien, je sais même pas combien il en faut. De forger une pioche en adamantite et l'apporter au vieux mineur, je sais pas combien il en faut. Sachant que j'en ai un, j'imagine. Ouais, donc non, j'ai certainement pas assez. Je me réjouissais, mais c'est vrai que ça paraît trop. Ça paraît trop simple de devoir utiliser qu'un seul minerai. Ça, je pouvais m'en douter. J'ai eu du bol, mais ça se trouve c'était le dernier combat aussi. Si c'était le dernier combat, j'avais pas besoin de dormir. Ah bah ouais. Bon bah voilà. Donc il reste E5, F5 à explorer. En fait il reste tout le nord-est, le centre-nord et le nord-est. Alors attends. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup. Ah non, ça c'est le maître forgeur de bouclier, donc je sais même pas où est le maître nain qui pourrait me faire ça. Volonté, sagesse, endurance, dextérité, sagesse, volonté. Remplis-moi de bouffe. Boutique. Alors, rien. Les épées, etc. Ça, non, ça. Ah, peut-être. Peut-être aussi, tiens. Ça vient.
toi une épée lourde, ça ne correspond pas trop. Par contre, une petite épée d'agilité, ça te correspondrait bien plus. Comment c'est de péter de thunes ? Il n'y a rien du tout qui m'intéresse à acheter. Hein. Pour le moment, je me débrouille très, très, très bien sans, je trouve. Là, ici, il faut toujours que je trouve un moyen d'y aller. Ici aussi. À la grande bibliothèque, il faut que j'ai une recommandation. Fleur d'ensoleillement, fleur de bruine. Oh, j'espère que je les ai ramassés que ça me les a ramassés direct en passant sur des cases et que c'était pas du pif une fois que j'ai eu la quête. Ça serait chiant. Sagesse. Allez, force. Et dextérité. Château Watchdog. Le fort bidule. Le fort machin. Une tour d'ivoire, j'ai toujours pas accès. Non. Un peu de tout, un peu de machin. Le donjon mortel a pas le niveau. Ah, où est mon barato? Non. En termes d'initiative, ça le fait toujours pas, même si les dégâts sont meilleurs que tout à l'heure. Indéniablement. Bon, moi, le bateau est à côté. La tour d'Al-Azhar. Ça donnait quoi, ça, déjà? Ça donnait quelque chose qui a été cliné. Le donjon de fer. C'était bon. Celui-là, non. Ça, je viens de le faire. Tac, tac, tac. Le repère de la reine araignée, c'est fait, je m'en souviens bien. Cachette secrète d'un sorcier, c'était fait. Ça, c'était fait. La forge, c'est fait. La mine... Oui, c'était fait. Puis au-dessus, c'était la petite fille qui voulait une clé. D'ailleurs, pourquoi une clé? Elle tenait à cette clé. La cachette des frères du couteau, normalement, c'est fait. Petit donjon, c'est fait. On est dans la zone de début. Hein. Caverne des montagnes du Nord, c'est fait. Dans le marais, il y a rien du tout, sauf le maître de l'endurance. Château Watchdog, c'était chez quelqu'un. La citadelle, c'est fait. Les cavernes oubliées. C'était qui lui déjà tout à l'heure? Ah bah c'était lui, oui. Ok. Donc, j'ai plus qu'à aller me balader. La suite, prochain épisode.